Eh bien, en direct aujourd'hui du lancement de la saison Cap 33 à Capcieux, plus de 100 disciplines sportives, artistiques, culturelles, liées à l'environnement, qui vont être proposées sur 28 centres en Gironde, avec des activités nouvelles à tester pour tous les âges, comme par exemple ce terrain de padel qui vient d'être inauguré ici à Capcieux. Cette semaine, j'aurai une réunion de travail sur le programme Mangeons bien, mangeons girondins, lundi matin, en compagnie de Dominique Fédieu, à qui a été confiée une délégation spéciale sur ce sujet. L'objectif de ce programme est de permettre à toutes les girondines et girondins de manger mieux, de manger local, aux agriculteurs de vivre de leur travail et de préserver bien sûr l'environnement pour les générations futures. Jeudi matin, je serai accompagné par Madame la Préfète et par Pascal Legault, conseillère départementale, pour visiter le phare de Cordouan, afin de le mettre en valeur dans le cadre d'une démarche autour de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette semaine se poursuit le cycle des réunions d'information organisées par la Direction générale des finances publiques pour expliquer la réorganisation nationale au titre justement des finances publiques, des regroupements, des fermetures de trésoreries ou de centres des impôts, une réduction d'effectifs qui peut affecter le service aux usagers. Le département, lors de la dernière séance plénière, a pris une motion pour exprimer sa position concernant la nécessité de préserver un service public de proximité et de qualité. Vendredi après-midi, une remise parmi d'autres de diplômes d'objectif nage, cette opération que porte le département et qui vise à faire en sorte que nos jeunes se sentent en sécurité et à l'aise en milieu aquatique de manière à pouvoir apprendre ensuite la natation codifiée au cours de leur cursus scolaire. C'est donc une belle opération qui attire beaucoup de jeunes et qui est reconnue par les parents comme étant très utile. Voici quelques temps forts de la semaine à venir avec beaucoup d'autres réunions ou actions ou inaugurations qui auront lieu. Évidemment, je vous accueillerai avec plaisir au cours de ces moments et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle semaine.